Drop 15 in the DMC. Hello tout le monde, c'est Xus du 44, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Lil Tapeur. Hello tout le monde, c'est Tapeur. Pour le départ du trophée Samine. Et non, aujourd'hui on n'est pas dans Minecraft, on ne mine pas, on est au trophée Samine. C'est pas marrant comme blague. Bah oui, je sais, tu peux applaudir à la... C'est clair. Ouh, Leek. Qu'est-ce que tu fais là, Leek? Qu'est-ce que tu fais là, Leek? Je pense que toi et toi, vous allez sincèrement attaquer. Allez, c'est parti. Il y a même plus, c'est très très bien parti. Oh, comment faire pour faire partir un équipier, voilà. Ouh, pas bête, animal. Faire arrêter l'autre d'un coup. D'un coup sec. Un coup sec. Faut qu'il soit sec, le coup. Comme le gabou, s'il est pas sec, ça marche pas. S'il est pas sec, ça marche pas. Il est passé que ça marche pas, c'est tout. Pas se compliquer la vie. Ah bah oui. Ça marche comme ça maintenant. Ah oui. Oula, tu m'as l'air nul, toi. Oh là là. Oula, le chahut. Le chahut. Il... Ah oui, il était malade, lui, c'est vrai, le chahut. Mais Zinner, je crois qu'il va attaquer dans le dernier secteur pavé. Là. Mais non, faut faire le sprint avec Zinner. Mais non, il y aura encore Moscou pour le sprint. Mais non, du coup, il est mort. Voilà. Normal, il vient d'attaquer. Je rigole. Tu sais que c'est le début de la course, il faut qu'il se mette en forme. Là, il va reprendre sa barre. Mais non, mec, justement, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comme ça maintenant, je te dis. Hey, ils font des tours comme ça, mais quoi. C'est des malades. Putain, c'est qu'il y a 3 gars devant, mais qu'est-ce que je fais? C'est les meilleurs du monde. Lui, il a failli être champion du monde, je crois. Non. Ah, si? Non, dame. Mal à carne et... Allez, un petit accélération, là. Ça peut être très passionnant. Alors, est-ce que tu peux mettre pause et qu'on se retrouve sur le circuit final? Ça te une bonne idée ou pas? C'est peut-être une bonne idée qu'on se retrouve dans le circuit final. Allez. A tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve pour les 100 derniers kilomètres et surtout l'entrée sur le circuit pavéneux. Hein. Quand il y a des pavés, c'est pavéneux. C'est clair. Mais oui, c'est clair, c'est pavéneux tout ça. Alors qu'on va, s'apprêter à reprendre les échappées dans 5 minutes. Parce que là, l'écart fond littéralement. On ne peut rien dire d'autre. Ou comme une raclette. Voilà, tout simplement. Ou comme neige au soleil. D'ailleurs, c'est l'hiver, on aime bien les raclettes, les fondues, ça va être hard. Oh, ouais, grave. C'est là qu'il tape en bouffer. Lui, l'hiver, il mange bien. C'est un bon gros bonhomme quand il mange bien l'hiver. Eh, hey, ta gueule, mec, je suis trop sec, ouais. Eh, hey, t'es trop sec, là, après t'es trop peu du tout là, mec. Ta gueule, c'est l'hiver, c'est bon. C'est l'hiver, on coupe, on bouffe. Hey, cet été, à mon pic de forme en fin de saison. C'est que je lui ai dit ça, mon père. 1m61, 40... Ouais, non. 46 kilos. 40, toi, non, jamais. 47 kilos 9. Oula, c'est secteur pavé, ils sont bons, là. Si, s'il crève Metzger, je me tiens une balle. Ah, c'est bon, le mec il a survécu à cette lecture là. Mais...
Ouais, non mais j'ai raconté à mon père que tu bouffais bien. Il M'a dit ouais mais lui il sera plus prêt pour la fin de saison, pas pour le début de saison, parce que là c'est Qui clair. parle? Hein? De qui tu parles? De mon père qui a dit ça. T'as dit qui? Hein? T'as dit qui? Quoi? Ok, pas grave. J'ai pas compris! On va parler de la course, hein. Mes coureurs sont en train de se replacer. Oh là là, les petits trucs que c'est là. Franchement, mais Lascar, ils s'en sortent bien. Hein. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il faudrait pas que tu essayes de faire attaquer un coureur nul le prochain tour? Genre dans le secteur pavé? Je pense oui. Genre Reinakers là? 60 bornes, c'est trop. Non. En fait, 72 en 60 pavé? bornes. Tu lui mets plus Ouais, 5? 60 bornes, c'est beaucoup trop tôt en fait. Ok, à combien alors? Je sais pas. Bah, essaye de faire attaquer Valette, au pire. Juste histoire de dynamiter un petit peu la coupe. Ou Lick? Valette. Non, 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 Valette, Lick il va Valette, me Valette. servir à rien, il grimpe juste, c'est tout. Vas-y, Valette, vas-y, alors, vas-y, bonhomme, Et si vas-y. là? Ouais. Ouais. Ouais, non, non, non. Ça roule pas si fort, hein. Il dit vrai, il dit vrai. Il dit vrai. Non, mais là, ça va accélérer, ça sert à rien. Bon, on essaie quand même, parce que Ouais. là, j'ai l'impression que ça ralentit. Ok, ta gueule. Il est sorti du peloton comme une... Ah, bah non, en fait, il peut sortir. ouais. Magnifique tour de magie. Tiens, Valette, t'aimes bien. Et pour te prouver ton affection, tu vas aller chercher quelques bidons. Ciao. Je te dis, Raymaker, s'il est trop chaud. Mais clairement, il dit vrai. Hein. Plus chaud que Metzner. Non, mais clairement. Rends compte, il faut vraiment être chaud chaud. Hein, pour, voilà quoi. Clairement. Ah, Moscoso, il est passé à zéro de forme. Il était à moins 2 au début. Il a repris son zéro. C'est bien. Tu t'améliores, gamin. C'est bien. Bon, l'autre, il met du temps là quand même. Hein. Je me demande pas s'il est pas en train de mourir. Ah non, il va bien. Bon, il est juste coincé là. Il sait pas quoi faire. Il reste là. C'est plus haut que tu ramènes les bidons, mon gars. Ah, ça devait monter un peu sur ça. C'est bon là, ça descend, tu peux y aller, gamin. Ouh là là, la route est droite, il se fait serrer. Bon, mais maintenant, faut vraiment que tu remontes là. Il recule, gamin. Oh, ça y est. Bientôt le secteur pavé. Au prochain, je vais attaquer Raymakers. Bah écoute, comme tu veux, gère Parce ta que course comme tu 70 veux, en mais. pavé, au prochain tour, faut qu'il attaque. Ouais. Il Qu'on va revoir la restera à peu près fin. 30 km. Il est très court le secteur, ça fait long. C'est vrai. Bon. Après, il y a un virage, c'est bien. Ouais, c'est vrai, comme ça tourne. Et là, ça refait un moitié. Non, c'est pas un secteur. Non, mais la route est un peu secouant aussi. Ouais, on voit, il y a quelques pavés. Un ou deux ou trois par-ci, par-là. Pas du tout, Mais si, Ah, tu vas chercher. Quand on se le dit, quand même. Regarde. Ça fait un grand secteur. Après, des petits pavés là. Tu vois. Je remarque que le circuit n'est pas exactement pareil partout. Défaut du qualité du fabricant. C'est vrai, c'est vrai. Chut. C'est bon, c'est une bute, c'est une bite. Clairement, clairement. Allez, repart, gamin. Ah, il repart. Mais là, c'est mort pour revenir dans le peloton, je pense. Hein. Attaque dans le groupe de tête. C'est qui attaque? Tant que je le rattrape après, quand je vais attaquer moi.
Limite, faut que je parte avec un bon là. Les choses se corsent là. Un petit peu là. C'est vrai. Ah, c'est dans pas longtemps le secteur. Je lui mets pas le gel tout de suite. Hein. Oh non. Non, ça ne vaut pas le coup. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Ah oui, ça part devant. Ah, je reviens sur eux, ils m'aident un peu et après je les lâche. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ils arrivent sur le secteur. C'est une bonne technique. Faut plus y remonter un peu là. Allez. Tu remontes. Et la bim, maintenant. Bim. Les secteurs pavés sont parfois très étroits et il faut être vigilant pour bien se placer afin d'éviter. Ah, ça marche. Et les cassures. Crevaison, le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton. Pas trop mais bon. Pas, c'est pas vite. Tu les sèmes. Allez, on part. Il est sec le révalteur. Ah, ça ralentit d'un coup, mec. Ah non, je croyais. Non, faut continuer là, il va creuser un peu. C'est vrai. Alors là, c'est ces blantins qui roulent, là, ça avance plus. C'est bon, on continue comme ça, je m'en fous de toi, de toute façon, je t'aime pas. Prochain secteur, il va reprendre de l'avance, il va tracer sa merde. Ouais, mais peut-être qu'il ira pas jusqu'au prochain secteur. C'est peut-être possible. Ah, ça roule fort hein, quand même. Ouais. Ah si, là ça part définitivement. Il est où là? Ah ouais, il est bien parti quand même là. 31 là. Là, il va y aller au secteur. Là, faut d'abord qu'il ressorte de la ville, après qu'il rentre dans la ville. 41 secondes là. C'est un chemin pour lui en plus, c'est pour lui là. 45 secondes. Regarde, ça roule plus. Ça n'avantage pas le plus. Ah, ah, ça attaque. C'est qui? Back. Lars Back. Ouais. Ça va, il a son back. Mais attends, je vais plus que lui au sprint avec mon gars. Hein? Mais il a de pavé. 73, oui, mais moi j'ai 77 avec mon plus 5 de forme. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent. Ouais, enfin bon. Toi, ça me l'a fait plus comme il vient. Hein? Tu fais de la piste, gars. Tu sais comment il est revenu, lui? Tu comment il vient? Ouais. Suivant, là je dis suivant. Mon fou, c'est toi qui m'emmène. Bon, on passe de relais alors. Non, suive alors. Prends ton gel. T'as paniqué, voilà, c'est ça, paniqué. Les autres aussi, faut qu'ils prennent le gel là. Ouais. Il faut surtout que je vais mettre à 95 parce qu'il faut qu'il soit place. Hein. Surtout Mesner, faut qu'il passe. S'il passe, il a des grosses. Ouais, il est devant là. Les coureurs doivent rester vigilants sur ce secteur pavé. Incroyable. La vibration engendre une fatigue supplémentaire. Maintenant à 10 km de l'arrivée. Ouais, lui 99. Hein. T'es, ils balancent tous de la tête, mais. Ah non, c'est bon. C'est qui lui, Kroon? Personne Kroon. Tu veux pas? Il fait une attaque là, ça va pas. Mais t'inquiète, ça suit bien là. Bernardo Diesel, il suit. Ouais, mais justement, il attaque. Ouais, mais t'inquiète. Non, il attaque vraiment. Bah, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux faire hein? Qu'est-ce que tu veux faire, gars? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, ça suit à peu près. Voilà, ça suit. Allez, Arashiro! Allez, Yuki!
reste moins de 5 km à parcourir. Mais il suit quelqu'un là, prends la roue d'Arashiro. Je les arrête là. Je peux pas prendre la roue d'Arashiro, ça sert à rien. Mais si, tu peux. Encore, je prends la roue, c'est qui le burger? Non, il a trop mangé de burger! Il y a Jonathan Hiver, il y a Michel Godas. Je sais pas la roue de qui tu veux prendre. Mais tu peux. Pas la roue comme ça, c'est bien, au pire, il y a un skateboard. C'est bien pour l'instant là. Non, mais je vais emmener, je vais dire à Medinor suivre Mosoko. Mais non, putain, il est mort, Mosoko, tu veux foirer. Et je mets Mosoko à fond. Hein. Il est mort, Mosoko. Voilà, tu perds du temps. Et voilà, t'as lancé trop tôt, et voilà, bah, bravo. Oh putain! Oh, mais c'est merde! Oh! Oh merde, il y avait un gars devant! Putain! Oh, oh non! Oh, comment il était trop gay! Putain, l'Arsbeck, il était encore devant, mec! Bah oui! Putain, je savais trop pas! A vous j'ai géré, mec. Ouais, t'as géré, enfin. Regarde, ce gars est trop chaud, mec. Tu sais, on l'a vu partir, le gars, il a fait du 60. T'as vu, à un moment, il s'est rassis, j'ai fait. Oh, et là, il est reparti. Il s'est rassis derrière l'autre, il était à 10 mètres de la ligne, il a fait. Coucou. Voici maintenant les meilleurs moments. Putain, il s'est gavé. Attends, on va voir. Regarde les meilleurs moments, regarde. Tu veux voir quoi? Le podium? Bah non, le replay, mais c'est trop tard. Non, mais regarde ma deuxième place. Là, il va gagner des points, lui. Bah oui, mais Zner, oui. Ça va lui rapporter encore des points, là. On va remonter dans le classement continental. Ah oh bah clairement. Là, il passe premier. Putain, en plus, mais je pense... Un point, un dessus, ça rapporte pas mal de... J'ai pas fait deuxième et troisième. Non, ça fait. Si, j'ai déjà fait troisième. Je suis pas loin de la victoire, là. Franchement, Metzner, il va en décrocher une. Je pense à Paris-Troy. Paris-3, oui, c'est ça, il va le décrocher. Oh, deuxième ex-aequo, premier ex-aequo. Ah, j'avoue, ex-aequo. Oh. C'est vraiment tout pile dessus, quand même. Ouais. Et bah, deux équipes. Deuxièmement par équipe. Cinquième. Bien joué. C'est bon ça. On va passer en Continental Pro, je le sens. Oh bah je le sens. Allez écoutez, on va se dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine pour Paris 3. Exactement. Allez, à plus tout le monde. Salut.